Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Google Assistant et d'une fonction qui est vraiment géniale, qui est vraiment terrible, mais que malheureusement tout le monde ne pourra pas activer. Je vais toujours bien quand je vous parle. Qu'est-ce que je peux faire pour On vous ? On va parler donc de notre super Google Assistant que tout le monde utilise au moins une fois dans la journée. Et surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision High Tech sort une vidéo. Allez, je vous montre tout de suite cette astuce, c'est parti. Allez donc, regardez bien ce qui va se passer lorsque je vais lancer un appel. Décliner. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, j'ai pu décliner l'appel tout simplement en dictant. Ça, c'est vraiment ultra génial, je trouve, pour certains types, par exemple, d'handicap. Maintenant, je vous montre comment décrocher à la voix. Décrocher. Réponse en cours. Oui, bonjour. Voilà, donc ici, comme vous pouvez voir, ça a décroché directement, juste à la voix, et ça, c'est plutôt cool. Alors, le raccrochage peut se faire directement à partir d'une application du nom de Voice Access, mais directement ici, avec notre Google Assistant, on peut décrocher ou décliner un appel. Alors, comment faire cela? Je vous montre ça tout de suite. Alors, tout simplement, vous allez vous rendre dans les paramètres de votre Google Assistant. Tout simplement, une fois que vous êtes rentré dans ces paramètres, vous allez descendre. Contrôle de la maison. Et tout simplement, vous allez chercher donc le module expression rapide. Expression rapide, obtenez de l'aide pour des tâches spécifiques sans dire et Google. Voilà donc, fini le mot et Google ou OK. Vous allez donc tout simplement pouvoir faire certaines tâches sans devoir dire le mot-clé. Et ça, je trouve ça vraiment ultra génial. On rentre à l'intérieur. Paramètres de l'aide. Effectuer certaines tâches. Commande vocale rapide. Titre. Effectuer certaines tâches sans la commande et Google. L'assistant Google reste en mode veille pour détecter ses commandes vocales. En savoir plus. Alarme et minuteur. Dites arrêter ou répéter. Appuyez deux fois. Voilà, donc ceci fonctionnera avec l'alarme et le minuteur. Plus besoin de dire le mot-clé. Oui, bouton pour alarme et minuteur. Appels entrants, dites décrocher ou décliner. Et avec les appels entrants, vous allez donc pouvoir utiliser votre assistant Google pour décrocher ou décliner un appel. Oui, bouton pour appels entrants. Alors, seul bémol, les amis, c'est qu'il faudra posséder un pixel de chez Google en espérant que Google puisse élargir cette fonction aux autres appareils. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle fonction Google Assistant sur Android 12. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir cette fonction sur votre smartphone. Allez, je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures sur le Pixel. Je vais vous faire une vidéo sur Android 12 et sur les nouvelles fonctions Google Assistant. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous!